situe juste à côté, à Croix de Berny. Et à cette occasion, donc, vous avez pu le constater, des animations vont être organisées tout au long de la journée, donc à la fois dans le parc départemental ici, aux abords des stations, dans les rames également, et dans les villes. Donc je vais démarrer par ma gauche, si vous le permettez, Monsieur Castex. Donc Monsieur Castex, président, directeur général de la RATP. Monsieur Jean-Didier Berger, maire de Clamart. Monsieur Jacques Perrin, maire du Plessis-Robinson. Monsieur Benoît Trevisiani, excusez-moi, préfet, sous-préfet des Hauts-de-Seine. Madame Valérie Pécresse, vous êtes présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, donc l'opérateur de transport de la région. Monsieur Georges Siffredi, vous êtes président du département des Hauts-de-Seine. Monsieur Sego, Carl Sego, vous êtes maire de Châtenay-Malabry. Et enfin, monsieur Jean-Yves Sénan, vous êtes maire d'Antony. Donc vous avez ici les acteurs, à la fois concernés, mais surtout, grâce à qui le projet peut être inauguré aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais me réjouir que vous ayez fait de cette inauguration une fête, parce que je crois vraiment que le tramway est un moyen de transport qui renaît de ses cendres, ça a été dit, mais très populaire. Donc c'est bien d'avoir fait de cette inauguration une fête populaire. L'opérateur, c'est celui qui gère, celui qui exploite, celui qui fait tourner le métro, le tramway, le bus au quotidien, en l'espèce ici, donc le T10. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, adresser mes remerciements à la présidente de région, présidente d'IDFM Valérie Pécresse, puisque IDFM a choisi, au terme d'un appel à concurrence, la RATP pour exploiter ce T10, et nous avons bien l'intention d'être au rendez-vous des attentes, évidemment, de la région, mais d'abord de tous les utilisateurs, tous les usagers totalement accessibles aux personnes en situation de handicap. Je le dis au passage aussi de recrutement, j'en profite pour le dire à tout le monde, la RATP recrute beaucoup, c'est une belle maison, venez au tramway ou sur d'autres réseaux. Voilà, donc c'est un nouveau défi pour nous tous, mais c'est finalement, je le dis le plus enthousiasmant, pour les élus des territoires traversés, ce sont des enjeux de développement économique, territorial, et surtout pour vous tous, mesdames et messieurs, ce sont des enjeux de vie quotidienne, et nous sommes attendus sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc un gros bouton qui va nous permettre d'allumer l'ensemble des stations qui se situent derrière vous. Donc je vais vous demander à 3, 2, 1 d'appuyer tous ensemble et de regarder les photographes en face de vous. Allez, on y va, on va allumer donc officiellement les 13 stations de la ligne tramway T10. 3, 2, 1. Voilà, l'ensemble des stations qui s'allument. Valérie Pécresse, absolument, a donné le go au PCC qui vous attend pour ouvrir la ligne, puisqu'on a des voyageurs, on le voit, hein, qui attendent d'ailleurs depuis ce matin 9h. Oui, bah écoutez, du coup, il va peut-être même mettre en avance. Donc on y va, Madame Pécresse. Ah oui, il y a des photographes. Allô, le PCC, vous m'entendez? Là, ça y est. Il m'entend? Ah, génial! Alors nous allons ouvrir le tramway 10 à la population avec presque une demi-heure d'avance. Alors je vous donne le go pour ouvrir. Merci à tous. Voilà la ligne officiellement ouverte. Mais c'est pas ça. Thank you.